Et je me pose la question. Est-ce qu'on peut penser de classe sur la. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je poserai d'abord la simple question de savoir si vous m'écoutez maintenant ou si le problème de son est toujours persistant. Est-ce que vous m'écoutez? Toujours pas de son? Alors, je suis en train d'essayer de régler le problème. On a un petit problème de sonorisation. En tout cas, j'ai un petit problème de sonorisation. Je pensais l'avoir réglé. Mais j'ai bien envie d'avoir de votre confirmation là-dessus. Est-ce que vous m'écoutez maintenant ou alors est-ce que je dois toujours les régler? Super, je crois que là on est bon. Vous m'écoutez maintenant. Alors bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci de signaler que vous êtes là. Je suis ravi que vous ayez honoré le rendez-vous de façon assez ponctuelle. De mon côté, je présente mes excuses les plus sincères, en tout cas pour le retard d'environ 13 minutes. J'ai voulu bien évidemment avoir une introduction beaucoup plus classique et beaucoup plus intéressante. Malheureusement, le son nous a fait un petit défaut. Néanmoins, nous allons avoir une séance très intéressante et j'espère que vous aurez tous une plus-value par rapport à ces 1 heure de temps que nous passerons ensemble, environ. Alors, je veux juste avoir une idée d'où vous êtes actuellement, si vous m'écoutez, si vous pouvez écrire d'où vous voyez cette vidéo, si vous voyez du Cameroun, si vous voyez de l'Allemagne, de la France, de la Belgique. Où que vous soyez, je serais ravi d'avoir un commentaire d'où vous écrivez, ainsi je pourrais donc vous faire un petit coucou de façon particulière. Mais avant cela, je salue déjà toute personne qui est ici présente. Je vois Laurent, je vois Priscilla, je vois Franck Materazzi, je vois Joël, je vois Petit Ulrich, je vois Danilou, je vois tout le monde. Je vous présente mes remerciements les plus profonds, en tout cas pour votre soutien à cette initiative qui est la mienne, mais également pour votre présence ici ce soir pour parler d'éloquence. Alors, on a Donatien qui nous écrit de l'Allemagne. Merci Donatien d'être là. On a également Yannick qui nous écrit depuis Darmstadt. Merci à toi Yannick d'être là. On a Franck Materazzi qui nous écrit depuis Mimboman Terminus. Coucou à vous qui êtes là-bas du côté de Cameroun à Yaoundé. On a Danilou qui nous écoute de la France. Merci à vous d'être présents ce soir et d'être si nombreux pour parler d'éloquence. Alors, avant de plonger dans le sujet, dans le fief du sujet, j'aimerais donner une courte introduction, ce dont j'ai parlé dans la vidéo où le son n'a malheureusement pas pu être transmis. S'agissait dans cette vidéo d'une petite introduction vous parlant de l'éloquence. L'éloquence étant sujet de débat de multiples, n'est-ce pas, de multiples lieux. Tout le monde en parle, tout le monde en débat, l'éloquence, l'éloquence, l'éloquence. Donc on se demande très bien pourquoi être éloquent. Plusieurs personnes se disent, pourquoi devrais-je avoir une éloquence lorsque je prends la parole devant un public? Est-ce que cela m'est réellement utile d'être éloquent? Lorsque cette question est posée, moi, je la pose complètement différemment. En réalité, moi, je me pose la question de savoir si on peut réellement avoir une vie équilibrée, si on peut être influent et si on peut réellement exprimer ce qu'on pense si l'on n'est pas éloquent. En d'autres termes, j'estime que l'éloquence est l'élément le plus important si on veut réellement changer la donne dans notre environnement proche ou lointain, et parallèlement, si l'on veut réellement faire connaître ce qu'on pense et influencer l'autre personne avec cette idée qui est la nôtre, il est indispensable d'avoir une éloquence lors de notre prise de parole. La question fondamentale est de savoir comment est-ce qu'il faut donc s'y prendre lorsqu'il faut prendre la parole en public. Quelle est la méthode idéale pour pouvoir être convaincant, pour pouvoir être éloquent, pour pouvoir être pertinent lors de la transmission de son message. Et cela est donc le centre de notre discussion ce soir. Attention, il n'y a aucune méthode directe, facile, simple, à travers laquelle l'on devient du jour au lendemain éloquent. Bien au contraire, l'éloquence est une chose qui se travaille quotidiennement, patiemment et de façon évolutionnaire. En d'autres termes, l'on devient éloquent au fil du temps et voire même au fil des années.
Alors, il n'est pas du tout judicieux de penser pouvoir être éloquent à travers ce live ou à travers un masterclass quelconque, mais il faut être capable d'être lucide, d'écouter les astuces qui sont données, qui pourront vous servir lors de vos exercices privés au quotidien et donc ainsi qui vous permettront dans l'avenir, dans le long terme, d'être plus convaincant lors de vos prises de parole. Alors, je reviens donc vers vous qui avez commenté d'où vous êtes. Je vois donc qu'il y a, nous sommes une bonne trentaine de personnes ici présentes. Je tiens encore à remercier toute personne qui a partagé l'information pour ce live de ce soir. Je tiens à remercier toute personne qui est ici présente. Je vois Lauriane qui est ici présente. Bonsoir à toi, Lauriane, depuis la France. Merci d'être là ce soir. Je vois également Vanik. Je vois également le petit débat de Teflon, qui n'est personne d'autre que Teflon Fuji. Bonsoir à toi, Teflon. Je vois également Ryan, qui écrit depuis le Kosovo. Enchanté. J'espère que tout se passe bien de ce côté-là. Et je salue toute personne qui nous rejoint de près ou de loin pour échanger sur ce sujet tant apprécié par certains, mais également tant souhaité par d'autres. Alors, rentrons dans le sujet, l'éloquence. J'ai dit ce soir, je partagerai 10 astuces pragmatiques, n'est-ce pas, utiles, qui vous permettront dans votre quotidien de voir dans la mesure du possible comment être plus éloquent, en d'autres termes, comment être plus à l'aise avec la parole en public. Alors, il faut préciser que la parole en public est un exercice qui est extraordinairement complexe. Lorsqu'on parle, par exemple, de la médecine, il y a les différentes façades à la médecine. Lorsqu'on parle des domaines académiques tels que le génie mécanique comprend de plusieurs éléments qui, ensemble, consistent ou conçoivent le domaine qui se nomme génie mécanique. Ainsi est donc l'art oratoire dans son sens théorique. L'art oratoire a plusieurs éléments qui font d'elle ou qui font de celle-ci un exercice extraordinairement complexe. Complexe dans le sens où il n'est pas du tout facile de simplifier le fait de parler en public à une activité singulière. Il y a plusieurs choses dont il faut être capable d'exercer, de travailler, d'améliorer pour être plus convaincant, pour être plus convaincu de soi également, mais surtout pour être plus éloquent. Alors, parlons-en, parlons d'éloquence, parlons de parole en public, parlons d'art oratoire. De quoi s'agit-il concrètement lorsqu'on parle déjà d'être éloquent ou de l'art oratoire ou même de la rhétorique? Marc Bonan, l'un des plus éloquents avocats existants sur Terre, définit l'éloquence comme étant l'habilité de faire naître en l'autre ce qui pour soi ou ce qui pour son existence est une conviction ou le résultat d'un travail. En l'occurrence, lorsqu'on fait part d'une vision politique, par exemple, lorsqu'on fait part d'une vision idéologique, lorsqu'on fait part d'une conviction religieuse, ou peut-être lorsqu'on fait part du résultat d'un travail qui a été effectué dans le cadre académique dans lequel nous nous trouvons, ou peut-être même professionnel, on fait preuve, ou nous devons faire preuve, d'éloquence pour pouvoir convaincre notre environnement et pouvoir faire naître en des personnes qui nous écoutent, n'est-ce pas, cette habilité de nous croire et de nous faire confiance dans ce que nous disons. Alors, lorsqu'on comprend cela, la première question qui se pose, c'est de savoir comment donc être efficace s'il faudrait qu'on le fasse dans une mesure sérieuse et dans une mesure, n'est-ce pas, une dimension assez haute. La première chose qu'il faut comprendre, ou la deuxième chose qu'il faut comprendre après la première, c'est que pour faire naître une chose en l'autre, il faut que cette chose soit en vous une identité. En d'autres termes, vous ne pouvez que produire ce que vous avez. Vous ne pouvez que faire naître ce que vous avez. Et autrement dit, vous ne pouvez que féconder ce qui est parti de vous. Alors, l'art oratoire dans un autre monde, en d'autres termes, c'est le fait de féconder votre identité, féconder votre pensée, féconder votre idée. Et donc, il faut qu'en vous, ce que vous voulez partager comme information soit installé et instauré. Il faudrait que vous et votre idée, vous et votre idéologie, vous et votre parole, formez un seul corps et conséquemment n'aient pas un sens de division ou de dérapage. La majorité des fois, nous avons l'aptitude ou nous avons l'habitude de parler en vitesse beaucoup plus avancée que nos réflexions. En d'autres termes, nous nous retrouvons emballés dans l'exercice de la parole au point où nous ne sommes plus en accord ou en accordance avec ce dont nous pensons et ce dont nous avons comme conviction.
Il est important d'avoir une bonne base de compréhension, de connaissance et surtout de conviction de ce dont on veut parler pour pouvoir prendre la parole en public et pouvoir oser convaincre d'autres personnes par rapport à cela. En résumé, le premier point, la première chose importante, si vous prenez des notes, c'est maîtriser son sujet. Il faut être un expert de son sujet. Il faut être imprégné par son sujet. Et ainsi donc, vous avez franchi l'une des basiques étapes pour être un bon orateur. Je l'ai dit au début, l'art oratoire n'est pas un exercice qui se travaille du jour au lendemain. L'art oratoire n'est pas une chose qui se fait par spontanéité, mais c'est un exercice qui quotidiennement se développe et s'améliore. Alors, je remercie encore ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux qui peut-être sont là depuis longtemps pour voir ce live. Je vous invite également à partager le live à vos proches, n'est-ce pas, dans vos groupes, dans vos différents groupes, pour pouvoir partager cette connaissance dont je partage ici avec vous humblement. Je ne prétends pas être le maître de ce sujet, mais je partage juste ce que j'ai comme compréhension et ce que j'ai comme petite expérience sur un sujet que j'estime adorer. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus une passion qu'un exercice, qu'un travail. Donc, voilà le premier point. Maîtriser son sujet. Ensuite, il est important de comprendre l'importance du verbe. La deuxième chose en oratoire qu'il faut toujours prendre en considération, c'est le verbe dont vous faites usage. En d'autres termes, votre vocabulaire constituera une grande majorité de la pertinence dont vous ferez devant le public. Je prends un exemple simple. Que de vous dire bonjour Ennis, bonjour Jordan, je dirais plutôt mesdames et messieurs, bonsoir à vous et à mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous avez eu une très belle semaine et que votre week-end a été agréable. Alors, pour que je puisse parler sur un sujet qui n'est que la salutation aussi aisément, il faut que j'ai les mots justes qui correspondent à mon idée pour pouvoir la faire expression d'elle. En d'autres termes, dans ce cas de figure, le verbe que je possède a un pouvoir énorme sur mon habilité à exprimer la pensée que j'ai. Il est donc important en tant qu'un bon orateur de vous armer très fortement, très lourdement des mots et de toujours être en disposition et ouvert à l'apprentissage du vocabulaire de la langue dans laquelle vous voulez exercer. Français, anglais, allemand, espagnol, peu importe. Sachez que si vous n'avez pas assez de verbes dans votre cerveau, si vous n'avez pas assez de mots dans votre vocabulaire, vous aurez toujours du mal à vous exprimer avec fluidité, avec éloquence. Alors, comment s'y prendre? Comment est-ce que l'on peut davantage apprendre à des nouveaux mots? Comment est-ce qu'on peut individuellement optimiser son vocabulaire? Il est très important de prendre les trois éléments basiques de la langue. Le parler, l'écoute, je pense que c'est quatre éléments. Le parler, l'écoute, je crois la lecture également. Et le quatrième élément ne revient pas directement à l'esprit. En tout cas, les trois éléments basiques, le parler, l'écoute et l'écrit. Écouter et la lecture, exactement, le quatrième élément, c'est la lecture. Alors, il est important pour pouvoir optimiser son vocabulaire de lire extrêmement constamment. Il s'agit précisément de s'armer des idées, mais pas seulement des idées, mais il faut avoir aussi le vocabulaire qui correspond à vos idées. Alors, pour pouvoir dire une chose d'une façon comme de l'autre, il faut bien sûr avoir observé le scénario des deux côtés. Il faut avoir eu une idée d'esprit ou l'expérience personnelle, de s'être plongé dans les situations contradictoires pour pouvoir lucidement faire une décision du choix que l'on fait. En d'autres termes, pour pouvoir contre-argumenter une personne qui argumente en face de vous sur un point, il faut que vous ayez l'habilité de comprendre son langage et parfois de faire usage de son langage pour pouvoir avoir l'antithèse de sa thèse. Cela ne se fait qu'à travers une lecture intense, à travers l'écoute profonde et constante des autres, à travers le fait d'exercer la parole, le fait de pouvoir toujours courir le risque de se vulnérabiliser. On reviendra là-dessus, on reviendra sur le fait de se vulnérabiliser en tant qu'orateur. Mais également, il faudra surtout, et je dirais, c'est la base de l'orateur, je dirais, impressionnant, c'est le fait de pouvoir parler sur la base des mots forts, des mots intéressants, des mots captivants. Alors, ceci est le deuxième point qui constitue ou qui forge l'orateur idéal.
Le troisième point que je considère indispensable pour un orateur, c'est l'habilité de comprendre les émotions. Alors, les émotions, c'est tout ce qui regorge de l'être humain normal. Un être humain normal, c'est une personne qui ressent de l'amour, qui ressent parfois de la haine, qui ressent de l'amertume, parfois de la fierté, qui ressent, n'est-ce pas, des émotions positives, parfois négatives. Et un être humain, ou alors un orateur qui veut avoir de l'impact sur un public ou sur une personne, doit comprendre qu'en face de lui est un être humain normal qui lui également a des émotions et qui souhaite avoir ses émotions intriguées. Le meilleur orateur comprend très bien ce qu'il faut faire pour susciter quelle émotion et a donc une compréhension parfaite et profonde des émotions. Le problème chez nous, très généralement, c'est que nous sommes très lucides. Nous sommes beaucoup trop robotiques que humains. Le robot a l'habilité, bien sûr, de reprendre ce qui lui est ordonné avec toute la rigueur qui lui a été imposée. Il est capable de calculer au strict détail ce qui lui a été imposé. Il est capable de donner des résultats assez précis, aussi précis que l'être humain ne le peut. Mais l'habilité qui fait de l'être humain ce qu'il est, c'est la capacité de toucher le fond du cœur, le fond des émotions. Et pour cela, il faut une compréhension basique des émotions humaines. Et donc, l'orateur devrait connaître l'émotion qu'il souhaite susciter dans son auditoire. Veut-il susciter de la haine? Veut-il intriguer son public? Veut-il appeler à de l'irritation ou à de l'empathie? Tous ces éléments sont des éléments qui permettent à l'orateur de savoir l'approche idéale qu'il devrait avoir face à son public. Un exemple parlant dont j'aime bien utiliser dans l'art oratoire, c'est les personnes qui font dans le domaine, je dirais, religieux chrétien. Nous avons une tendance très commune chez nous en Afrique qui est la tendance des églises, sans bien sûr faire un jugement ni positif ni négatif là-dessus. Il y a un élément qui est très capital, qui est très, en tout cas, productif chez ces derniers, c'est l'habilité de susciter en leur public des émotions profondes. Alors, ils ont compris que dans un environnement aussi prérogatif qu'est le nôtre, africain, il est important de créer l'émotion de l'espoir. Il faut créer l'émotion de la rigueur, l'émotion de l'envie de l'idéal, un idéal qui n'existe pas, mais qui peut exister. Et donc, avec cette émotion qu'ils veulent créer, ils ont un jeu corporel qui manifeste exactement et des paroles qui manifestent un besoin ou qui plus ou moins satisfait ce besoin émotionnel qui est celui de leur public. Et donc, si vous autres souhaitez avoir de l'impact sur un public qui est le vôtre, ou peut-être même sur une personne avec laquelle vous aimez interagir, comme par exemple, il peut arriver que vous voulez convaincre un employeur du fait que vous êtes qualifié pour le service dont il a besoin, ou vous voulez convaincre un collaborateur du fait que vous êtes la personne appropriée pour le service dont il ou elle a besoin. Il ne s'agit pas juste de démontrer de façon cognitive que vous avez les capacités de le faire, mais il faut humainement vous connecter avec la personne et toucher nettement les émotions qui sont les besoins de ceci. Alors, je reviens vers vous autres qui regardez cette vidéo. J'aimerais bien avoir vos points de vue sur ce que je viens de dire. Qu'en pensez-vous de ce qui a été partagé jusque-là? Avez-vous des points de vue divergents? Pensez-vous autrement? Et j'aimerais bien avoir également les cœurs de votre part, les partages. Ainsi donc, nous quitterons de 40 personnes, pourquoi pas à 50, voire 100 personnes environ. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour être ici. Et j'espère qu'après ce live, nous aurons tous une plus-value par rapport à ce sujet qui est l'éloquence. Alors, le troisième point, le quatrième point autant pour moi, qui est important à considérer dans l'art oratoire, c'est l'habilité d'avoir des formules, des formulations sur les sujets dont nous abordons. Très souvent, nous avons l'habilité de vouloir partager tout ce que nous voulons. Nous voulons dire tout ce que nous avons en tête. Nous avons un tas d'idées, nous avons un tas de points dont nous voulons énumérer. Mais malheureusement, nous n'avons aucune structure ou aucune formulation pour introduire ou alors transiter d'une idée à une autre. Il est important, capital, d'avoir les formulations qui vous permettent de transiter d'un point à l'autre, d'introduire des sujets et enfin de conclure d'autres sujets. Je prends un exemple palpable. Pour aborder un sujet, au lieu de dire le point numéro 1 sera, je vous dirais par exemple, mesdames et messieurs, j'introduirai ma discussion avec le sujet point, 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 point.
Ensuite, je passerai sur le sujet, point, 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 point. Enfin, je clôturerai en disant que, point, 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 point. Et cela, c'est évidemment des choses qui semblent banales, mais elles jouent en réalité deux rôles fondamentaux autant pour moi. Et le premier rôle que ça joue, ça aide votre public à être en harmonie avec votre discours. Vous avez là une possibilité de garder votre public en track, en bonne ligne de conduite avec ce que vous êtes en train de dire. La deuxième chose que ça fait réellement, c'est de garder votre public attentif à ce que vous dites. Évidemment, lorsque vous parlez, il y a des moments, des distractions qui s'imposent. C'est incontournable. Mais ce qui permet à votre public de toujours rester branché à vous, c'est l'habitude de les ramener lorsqu'ils s'égarent. Alors, lorsque vous énumérez un point qui est le suivant par rapport à un point qui est précédent, il est évident que l'attention de votre auditoire devient plus intense et conséquemment a donc est plus évidente que lorsqu'il faudra que vous soyez aussi plat et aussi direct dans l'énumération des points que vous faites. Alors, ce point également est très important, l'élaboration des formulations pour l'introduction, les transitions et les conclusions de votre discours. Cinquième point très important. Je vais rapidement pour qu'à la fin, nous ayons un peu de temps pour échanger spontanément, avoir des exemples pragmatiques sur ce sujet. Le cinquième point, c'est ce que j'appelle le sens de la discipline. Le sens de la discipline veut dire que ce n'est pas tout ce que vous avez à dire que tout le monde veut entendre. En d'autres termes, vous n'avez pas tout le temps du monde pour parler de ce dont vous voulez parler. Vous avez un temps précis dont l'auditoire a l'habilité d'être concentré, focalisé sur vous. Il y a une moyenne, c'est pour ça d'ailleurs que dans nos heures d'études, que ce soit au niveau scolaire basique ou même parfois au niveau universitaire, la moyenne de temps qui est attribuée pour un cours, c'est 1h30. Raison pour laquelle nous avons l'habilité, nous avons l'obligation en tant qu'orateur d'avoir le sens de la discipline pour résumer nos pensées à un temps qui correspond à la disposition de notre public. Donc, l'élément qu'il faut considérer ici, c'est d'abord la priorisation. Il faut savoir mettre des priorités sur les idées qui sont les nôtres et l'habilité de résumer. Au lieu de dire, par exemple, qu'il est, je ne sais pas quoi dire, on peut prendre un exemple banal, au lieu de prendre une heure de temps pour expliquer comment il est important d'avoir un jeu corporel, n'est-ce pas, particulier lorsqu'on prend la parole en public, moi particulièrement, je ferai l'exemple en vous montrant ce que je fais pour être un orateur beaucoup plus confiant. Et je vais le résumer au lieu de parler de cela pendant 30 à 45 minutes. Je le résume à une dizaine de minutes pour pouvoir avoir un sens de discipline exact pour que vous autres pourriez également maintenir votre concentration à ce que j'ai à dire et pour que vous également puissiez bénéficier du contenu que j'ai à partager. Donc, le cinquième point, c'est le sens de la discipline lors de la transmission de son message. Alors, dans ce point, il y a également un élément important qu'il ne faut jamais oublier, c'est que tout ce que vous dites n'est pas toujours important. En réalité, vous avez un pourcentage très réduit de ce que vous pensez qui est important, qui a de la valeur en réalité, de façon réelle. En d'autres termes, nous évaluons beaucoup trop, nous surévaluons ce que nous avons en tête, supposant que le public que nous avons a une même relation de ce que nous avons en nos cerveaux ou alors dans nos pensées. Et donc, il est important de faire un tamis à travers ce qu'on appelle le brainstorming. Vous pouvez avoir l'étude des personnes qui sont proches à vous, voir des personnes qui éventuellement vont vous donner leur point de vue sur un sujet ou sur l'autre. Évidemment, faire un condensé de ces points de vue avant d'élaborer quel élément est important dans votre discours ou quel autre pourrait être omis lors de la transmission de votre message. Très important. Alors, le septième point. Le septième point qui est, j'estime, l'un des points les plus négligés en art oratoire, l'un des points les moins considérés en art oratoire, c'est l'art vocal. L'art vocal. J'adore la vocalisation. J'adore le fait de parler avec sa voix, de faire usage de sa voix. J'aime bien dire à ceux avec lesquels je travaille très souvent que le fait de parler ne se limite pas juste à passer l'information. Comme je l'ai dit au départ, un des meilleurs orateurs du monde francophone, qui n'est personne d'autre que Marc Bonan, disait très bien que la parole
qui se limite en elle, en d'autres termes, qui meurt en elle-même, est celle qui est purement informative. Par contre, la parole qui fait naître en l'autre, qui fait exister une idée, qui fait triompher une idéologie, est celle qui est une musique. Il faut que de votre parole, on écoute une mélodie en jaillissante. Il faut qu'on puisse percevoir de votre parole une tranquillité, une aisance, une confiance. Et à travers elle, nous avons donc le plaisir, l'amour et tout le délice de vous écouter pendant une longue durée sans se rendre compte que le temps s'écroule. L'art de parler avec éloquence consiste d'ailleurs à 20% d'avoir l'habilité de jouer avec sa voix. Il faut que vous ayez l'habilité de manigancer votre voix, d'avoir des haussements de ton, d'avoir des baissements de ton, d'avoir une variation vocale lors de votre parole. Et ainsi donc, vous avez l'habilité, n'est-ce pas, de captiver, de garder une certaine constance, une consistance et surtout une fluidité dans votre langage. Et par ce moyen, vous devenez donc une personne plus éloquente. Alors, je reviens sur les personnes qui écrivent en commentaire. Nous avons Sylvain qui est avec nous. Bonsoir à toi, Sylvain. Je crois bien que c'est Fossile, le photographe. D'ailleurs, le photographe compétent, celui qui, derrière mon travail, est l'une des personnes les plus compétentes qui travaille avec moi. Il effectue pour moi des flyers. Il fait également des soutiens avec moi. Merci à toi pour le soutien et merci d'être là, présent ce soir. Je vois également Jordan. Je vois également Sagesse Sonf qui écrit depuis Fortime. Bonsoir à vous et merci d'avoir honoré ce rendez-vous et d'être présent ici ce soir pour parler éloquence. Alors, j'aimerais bien savoir si vous avez des questions, si vous avez également des interrogations et si vous avez des points de vue qui divergent des miens. Je suis ravi de les lire ici en public pour pouvoir, n'est-ce pas, échanger également avec vous pour que ce ne soit pas un monologue. Évidemment, la parole n'est pas juste le fait de parler, mais c'est le fait d'échanger avec le public et le fait de créer sur la base de l'échange que vous avez avec votre public. Donc, je serai ravi de lire vos questions si vous en avez. Je serai ravi de vous lire si vous avez des commentaires positifs, encourageants, peut-être, pourquoi pas, peut-être également des critiques. Et je serai également ravi d'apprendre de vous. Alors, bonsoir également Paris Royal qui m'écoute et qui fait un commentaire positif. Merci pour le commentaire, je suis ravi. Alors, continuons avec l'art oratoire. Je passe donc au septième point. Le septième point, avant de revenir à la question de Kevin, le septième point sur l'art oratoire, c'est la compréhension du public. Alors, l'art oratoire, évidemment, consiste à 50% de ce que vous dites et à 50% de ce que votre public vous dit. En d'autres termes, l'art oratoire est une combinaison de l'échange entre vous et votre public. Mais la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que le public parle. Est-ce que le public a la parole lorsque je suis devant, sur scène? Est-ce que le public a la possibilité d'exprimer ce qu'il pense tant pour moi? Évidemment, le public nous parle indirectement et de la façon la plus visible possible. Je vous donne un exemple assez palpable. Lorsque vous avez devant vous un public de 100 personnes et que vous dites quelque chose d'intéressant et que le public applaudit, évidemment, c'est un message assez fort et assez clair, en vous disant « Merci pour le message assez fort dont vous nous passez. » Évidemment, ce que vous parlez est que le public se met à murmurer. C'est un clair message que le public est en désaccord avec votre pensée ou avec votre ligne de réflexion. Et donc, vous constatez que le public est toujours présent lorsque l'on a la parole sur scène. Le public n'a pas forcément l'habilité verbale de dire ce qu'il pense, mais a toujours la subtilité de nous passer un message clair, de nous passer un message direct, de si oui ou non, nous sommes dans la bonne direction, dans l'exercice dont nous menons devant lui. Et donc, il est important de toujours être concentré, focalisé, d'avoir l'œil fixe sur son public pour apprendre et détecter la nouvelle, détecter les informations utiles pour adapter, ajuster et améliorer ce qu'on a à dire devant celui-ci. Donc, le huitième point était justement le fait de comprendre son public. Alors, j'ai deux questions qui sont présentées actuellement. Je vais les rappeler rapidement de la part de Kevin. Kevin demande, est-ce que tu auras des astuces pour articuler?
Alors, merci Kevin d'essayer d'être là. Kevin est un grand frère à moi pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Et je suis honoré de t'avoir ici ce soir dans ce live. Alors, comment articuler? En ce qui me concerne, j'ai particulièrement beaucoup travaillé sur l'articulation avec l'aide de l'exercice précis. Ce que j'ai fait, c'est de prendre des livres. J'ai des livres, j'aime bien lire. Et que de lire juste pour avoir des idées, j'ai décidé de lire pour augmenter deux choses, mon vocabulaire, mais surtout pour augmenter mon articulation, en d'autres termes, ma vocalisation. Ce que je faisais justement, c'est de lire les livres à haute voix, les enregistrer dans un audio, dans des audios, donc de mon téléphone à cette époque. Et donc, pendant que j'étais en journée en train de faire d'autres choses, j'écoutais ma voix et j'écoutais l'articulation que je faisais. Et par ce moyen, j'optimisais donc mon habilité de travailler sur ma vocalisation, mon articulation. Évidemment que je comparais ma voix plus ou moins aux professionnels, vu que parallèlement, j'écoutais d'autres livres, des e-books qui étaient lus par des professionnels. Et donc, il faut avoir l'esprit du travail. En réalité, l'art oratoire est l'indispensabilité pour être excellent en art oratoire, c'est ce qu'on appelle le evolutionary mindset. Il faut une idée de soi dans son idéal. En d'autres termes, il faut être capable de se projeter ce qu'on veut devenir et de travailler avec cet idéal sans forcément être encore en ce lieu. Et donc, pour répondre à la question directement, Kevin, ce que j'ai fait particulièrement, c'est de lire à haute voix, d'enregistrer et d'améliorer au fur et à mesure du temps. Je le conseillerais donc à toute personne qui veut également augmenter son habileté d'articulation. J'espère que je réponds à la question par cette idée que je viens de proposer. Une autre question qui est posée par Raoul Zali, qui est l'un de mes parrains ici en Europe. Merci d'être là. Raoul demande, quel conseil donnerais-tu à une personne qui bégaye et qui souhaite pratiquer l'art oratoire? Très intéressant cette question, très intéressante cette question. Celui qui bégaye est-il également qualifié pour être un bon orateur? Alors, l'art oratoire est fait pour tout être humain, indépendamment de ses faiblesses, de ses forces, de ses aptitudes, de ses faiblesses. Chacun a l'habilité et la possibilité de parler couramment. La seule difficulté ou la seule différence se situe au niveau de la vitesse avec laquelle l'on parle. Il est important de connaître et de comprendre quelle est la vitesse idéale avec laquelle nous pouvons parler de façon lucide. Il est important pour soi d'avoir ce qu'on appelle en anglais un pace. Le pace en français s'appelle la vitesse, un tempo qui nous permet d'être clair dans notre idée et d'être en accordance entre l'idée, la pensée et la parole. Donc, ce que je dirais à une personne qui éventuellement a du mal à s'exprimer dû au fait qu'il est peut-être bègue, c'est toujours avoir un tempérament très posé. Trouver une vitesse idéale. Il n'y a pas de trop lent et de trop rapide. Il y a juste un tempo qui est adéquat à sa personne. Donc, il faut absolument trouver le tempo ou la vitesse qui est adéquate à sa personne, être capable de la maintenir sur la longue durée et non essayer de copier ce qu'une autre personne fait. Et un autre élément important lorsqu'on est bègue, c'est le fait de pouvoir contrôler ses émotions. Alors, chez les bègues, généralement, ce qui suscite le fait de bégayer, c'est soit la colère, soit l'amertume, soit une frustration. Alors, il est important de comprendre que pour pouvoir parler en tant que bègue, et même parfois en tant que non-bègue, on se trouve en train de bégayer parce qu'on est irrité, parce qu'on est émotionnellement intrigué, parce qu'on est instable émotionnellement. Il faut donc maîtriser, stabiliser, calmer ses émotions pour pouvoir parler de façon éloquente. Cet exercice peut être fait avec une chose très simple, l'inspiration et l'expiration. Lorsque vous vous sentez stressé, prenez une pause, vous respirez et vous soufflez. Prenez un verre d'eau, vous buvez et vous calmez la température, vous calmez le tempo. Ainsi, vous avez l'habilité de réguler la vitesse avec laquelle vos émotions vous emballent. Alors, j'espère qu'avec cette réponse, j'ai plus ou moins apporté un élément utile à toi, Raoul. Et une fois de plus, je te remercie d'être là. L'autre question qui est posée par Abdel est de savoir, y a-t-il des livres que tu recommandes ou alors n'importe quel livre fait l'affaire? Alors, le livre est très important. Le livre est très important, mais je vous dirai une chose qui va peut-être vous choquer.
Le livre ne sert à rien si vous voulez devenir un bon orateur. Je m'explique. Le livre vous aide à comprendre la théorie de l'art orateur. L'art orateur, non, pour moi. Le livre vous donne une ouverture pour, n'est-ce pas, comprendre ce que l'art oratoire, ce de quoi l'art oratoire comprend. Elle vous explique les éléments de l'éloquence, elle vous explique la rhétorique, elle vous explique les éléments corporels. Mais pour incorporer ces idées dans vous, il vous faut vos expériences personnelles. Il vous faut votre compréhension correspondant à votre personnalité. Il vous faut une compréhension profonde de qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, comme je l'ai dit, le tempérament qui est le vôtre, et évidemment, n'est-ce pas, vos habiletés à vous et vos capacités à vous de mettre en usage, en exerce, n'est-ce pas, une idée qui est la vôtre. Alors, bien sûr qu'il y a des livres à recommander. Bien sûr, il y a des livres que je peux recommander. À la fin du live, je reviendrai sur les livres que je peux recommander. Mais l'élément le plus important en oratoire, c'est le fait d'exercer. L'oratoire, c'est un exercice quotidien. On ne s'arrête jamais. On se laisse coacher. On se laisse accompagner. On mène des expériences. On s'expose à la vulnérabilité oratoire. Et ainsi, on perfectionne notre habileté de parler en public. J'espère que j'apporte un élément de réponse à Abdel avec cette réponse. Alors, je pense que la question, je vois également une question de la part de Willy. Willy qui pose une question très pertinente. Comment faire pour improviser tout en gardant le fil conducteur? Question très intéressante. D'ailleurs, c'était l'un des points que j'allais aborder sur l'éloquence. L'habilité d'improviser. Le meilleur orateur n'est pas celui qui a une ligne éditoriale ou une ligne de parole stricte et exacte. Le meilleur orateur, c'est celui qui, à travers les spontanéités, à travers les imprévus, fait créer, n'est-ce pas, un contenu qui était non existant. Par ailleurs, le meilleur orateur n'est pas celui qui a toujours eu à improviser dans des cas, n'est-ce pas, gênants. Mais c'est celui qui profite des situations, parfois même agréables, pour créer un contenu qui surprend tout le monde. Alors, généralement, je ne sais pas si vous autres voyez du stand-up comedy. Généralement, un comédien, pour les comédiens francophones, comme Jamel Debbouze, est respecté pour son habileté de créer d'une surprise, une blague ou une vanne qui fera le buzz. Il a l'habileté avec une femme qui se lève et qui va juste vers les toilettes pour se mettre à l'aise, de faire une vanne qui dure environ 20 minutes, qui fait le show. Et donc, cette improvisation est une expertise strictement maîtrisée. Alors, comment le maîtriser? Si vous suivez l'histoire de Jamel Debbouze ou un autre comédien américain que j'aime bien, qui est, j'oublie son prénom, mais ça me reviendra au fil du temps. L'habileté qu'il a, ou alors l'exercice, ce qu'il faisait pour pouvoir être toujours, n'est-ce pas, confiant, pour toujours improviser, c'est d'avoir des vannes qui lui viennent à l'esprit de façon spontanée, dans ses moments libres. Il les écrit sur un bout de papier et il les balance dans un box. Et ce box est le box qui quotidiennement l'inspire lors de ses shows pour les improvisations. Vous comprenez donc que l'improvisation, bien qu'il semble être une création du vide, n'est rien d'autre qu'une inspiration d'une expérience passée ou d'une idée existante. En d'autres termes, la meilleure façon de pouvoir improviser dans des moments compliqués, c'est de voir un cahier de charges lourd, avoir une expérience forte et surtout avoir une expertise incontestable. Et donc, pour pouvoir, par exemple, répondre à une question comme tu viens de la poser, Willy, il faut que j'aie à maîtriser ce sujet. C'est une question de spontanéité. Il faut que j'aie à traiter ce sujet dans le passé. Il faut que j'aie à avoir une réponse plus ou moins qui approche à celle dont je souhaite te donner. Et donc, l'improvisation est l'une des choses les plus préparées en art oratoire. C'est l'une des choses les plus préméditées en art oratoire, vu que ça regorge de votre expérience, de vos connaissances et de votre vécu. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question, Willy, et j'espère pouvoir revenir à la question d'autres personnes au fil de ce live. Alors, un autre point que je veux énumérer donc sur l'art oratoire, c'est le fait de pouvoir, n'est-ce pas, avoir la capacité de jouer avec son corps.
L'oratoire a d'abord une part corporelle, ensuite une autre partie cognitive, donc informative, et enfin une partie verbale, donc les mots, le choix des mots, l'art vocal et tout ce qui va avec. On dit très souvent, je ne suis pas convaincu de cette théorie, mais une théorie déclare que 60% de votre art oratoire consiste de votre jeu corporel. C'est difficile à croire, mais ça semble plutôt vrai. Je ne suis pas, comme je l'ai dit, convaincu de cette théorie, mais en tout cas, ça a un sens. Parce que figurez-vous que vous parlez de la joie et que vous avez un aura extraordinairement triste. Figurez-vous que vous parlez de la pitié et que vous souriez. Figurez-vous que vous voulez faire rire des gens et que vous êtes aussi frustré, aussi timide et aussi froid dans votre jeu corporel. En réalité, le jeu corporel n'est qu'une prolongation de ce dont vous voulez dire. En réalité, si vous voulez susciter une émotion dans l'autre personne, il faut que vous incarniez ce dont vous voulez transmettre. L'incarnation, évidemment, se manifeste à travers ce dont vous affichez corporellement. Il y a généralement des parties du corps sensibles à l'oratoire, telles que le visuel, le facial, le sourire, l'éclat, l'ouverture d'esprit. Il y a les bras, l'ouverture des bras, n'est-ce pas, la confiance en soi, comme je tiens la main vers le centre pour dire je suis confiant, c'est ce que je dis, et je maîtrise mon sujet. Il y a évidemment les pieds, les jambes qui doivent être plantés au centre et non élargis et non dispersés lorsque votre corps est entièrement vu par le public. Et ces éléments sont des éléments qui particulièrement peuvent être optimisés, améliorés selon le contexte dans lequel vous vous trouvez et selon l'émotion que vous souhaitez dégager dans un public qui est le vôtre. Alors, le jeu corporel est également capital dans l'art oratoire lorsqu'on veut, n'est-ce pas, devenir pertinent. Concluons avec le dernier point sur l'art oratoire, mais avant de venir sur les derniers points, j'aimerais justement répondre à d'autres questions qui se sont présentées pendant la discussion. Vous êtes tous invités à poser vos questions, sentez-vous libre, non complexé, vos questions sont les bienvenues et avec grand plaisir, je vais les répondre ce soir pour mon premier live. Alors, nous avons Kevin qui revient, qui dit « Généralement, lorsqu'on prend une pause pour calmer la respiration, ça me sert, ça se reste sur le micro. Comment gérer cela ?» Alors, prendre une pause est l'une des choses les plus professionnelles que l'on peut faire. Professionnelle parce que justement, d'une part, ça relève d'une grande complication. Un orateur disait, garder le silence, ou alors garder la parole, ou alors être silencieux, en résultat de manque d'idées, est une chose. Par contre, ne pas dire une chose, dans l'optique d'être juste, précis et objectif dans la transmission de son message, est une stratégie d'expert. Et donc, lorsqu'on prend une pause, l'idée, c'est de rebondir avec un point beaucoup plus fort, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus poignant. Il est injuste, il sera, je dirais, péjoratif et peut-être même diminutif si vous preniez une pause lors d'un discours pour ne rien dire de bon après. Parce que figurez-vous que la pause aide le public à fixer les yeux vers vous et à dire ben, peut-être là vient quelque chose de pertinent. Et donc, selon moi, prendre une pause vous aide à structurer votre idée et à planifier un rebondissement poignant. Et donc, avec cela, j'estime que si vous avez à prendre des pauses pendant votre discussion, vous devez être garanti, vous devez être sûr que le retour après la pause ait une pertinence, ait une plus-valeur et soit, n'est-ce pas, utile pour ce dont vous voulez dire. Alors, en ce qui concerne le fait que cela se ressent sur le micro, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de vous rapprocher du micro ou d'avoir une proximité exacte du micro. Évidemment, c'est des choses qui se forgent avec l'expérience que vous avez avec le micro. Mais l'idée de la pause, ce n'est pas forcément, n'est-ce pas, de faire un bruit sur le micro ou de faire quelque chose de gênant, mais c'est juste de prendre un souffle, restructurer vos idées et rebondir avec une plus-valeur. Alors,
Je reprends une autre question de la part de Willy, encore qui revient. Quel est le signe révélateur qui montre que quelqu'un a du génie oratoire? Alors, le génie oratoire est-il même un mythe ou un fait réel? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que parfois, je prendrai l'exemple de mon histoire. Je prendrai l'exemple de mon histoire parce que je suis quand même un exemple de l'art oratoire qui peut être utile à plusieurs. Déjà, je n'ai jamais eu une connaissance et une conviction dans le passé du fait que j'étais un orateur né ou doué. Par contre, j'ai eu à exercer le fait de parler en public à travers des multiples activités que je menais dans mon milieu scolaire, dans mon milieu religieux et peut-être parfois dans mon milieu, je dirais, social. Dans mon environnement scolaire, j'étais un traducteur principal de la langue anglaise à la langue française, ce qui a créé en moi une affinité avec le public. Évidemment, ça a forgé en moi une habileté à prononcer des mots avec facilité et avec fluidité. Mais je ne pense pas qu'il y ait un élément déclencheur qui fait de vous, qui vous révèle que vous avez du génie. Par contre, le fait d'exercer quotidiennement, non-stop, le fait de toujours travailler son oratoire, crée en vous un orateur hors pair. Ça crée en vous l'habileté de parler avec fluidité. Revenons dans mon cas, le fait que j'ai eu dans mon enfance, ça travaille en tant qu'orateur, a forgé cet orateur que je suis aujourd'hui, évidemment qui ne cesse de grandir, mais qui peut avoir une certaine confiance devant un public, qui peut avoir un aura devant ou sur une scène. Et donc, il est important de ne pas voir l'oratoire comme étant un statut fixe qui se résulte du fait d'être doué, mais un processus qui peut permettre que l'on, quotidiennement, se rapproche de l'idéal. Donc, voilà ainsi donc ma réponse à cette question, Willy. J'espère avoir été donc clair là-dessus. Je prends une dernière question de la part de Donatien qui veut savoir comment se comporter lorsqu'on a un manque d'idées. Alors, le manque d'idées, ça arrive très souvent à tout orateur, à tout le monde. Et généralement, le piège dans cela, c'est que soit on dérape et on lâche prise totalement, soit on rebondit avec une bonne réaction. La première chose qu'il faut comprendre dans le fait de perdre le repère, de perdre sa ligne de réflexion, où elle se perd ses idées, c'est le fait que la chose la plus dangereuse dans l'oratoire, c'est la peur. La peur est la seule chose qui peut vous faire complètement déraper et complètement perdre la route. Parce qu'en réalité, vous êtes un être humain qui ne pouvait pas dire que vous êtes complètement vide en esprit ou vide en connaissance. Par contre, si vous n'avez pas la tranquillité d'esprit, vous n'avez pas, n'est-ce pas, la maîtrise émotionnelle, très facilement, vous êtes frustré et c'est ce qu'on appelle généralement le blackout. Vous perdez tous les sens. Donc, il est important de comprendre l'apport émotionnel dans le manque d'idées. Il faut toujours être calme, rester zen, rester toujours lucide dans ses pensées, dans son esprit et toujours avoir la maîtrise totale de ses émotions. Un autre point justement qui est utile, c'est ce dont j'ai fait allusion au préalable, c'est le pouvoir de la pause. Alors, l'idée étant perdue, la pause vous permet de revoir si vous pouvez rappeler cette idée. La pause vous aide à reconstituer l'idée qui vous échappe pour un instant précis, pour un instant ponctuel. Et donc, il n'est pas juste important d'avoir les idées toujours claires, nettes, définies, les uns après les autres. Mais il est surtout important d'avoir une lucidité et de toujours avoir l'habileté, n'est-ce pas, de garder son sang-froid, de parfois prendre des pauses pour récapituler ce qui nous échappe et surtout nous relancer avec les idées qui sont quelque part dans nos esprits. Et enfin, le pouvoir de l'improvisation. Il faut être capable de puiser ailleurs que ce que vous avez préparé. Si peut-être on me pose une question sur quelque chose qui est autre que vous avez préparé, ben vous avez des idées d'autres, vous êtes créatif, vous êtes un être humain, vous êtes un adulte, vous êtes un être humain sage, intelligent, vous êtes compétent. Et conséquemment, il y a la possibilité de puiser des idées d'ailleurs que ce que vous avez scrupuleusement préparé. Et donc, l'improvisation et la maîtrise de soi, et enfin, les pauses, pour répondre à la question de la science. Merci pour la question. Alors,
J'aime bien la question, j'adore la question parce que ça nous permet d'interagir. Et comme je l'ai dit, ça sert également à l'oratoire, le fait d'échanger, de créer de l'échange que vous avez avec le public, un contenu qui n'a pas été prémédité. Et donc, c'est un grand plaisir de répondre à vos questions et je serai toujours ravi d'avoir une multitude de questions en temps pour moi et de pouvoir réagir par rapport à elles. Alors, Kevin qui revient sur la question du blackout, comment gérer un blackout ou out complet après un événement inattendu. Je pense que j'ai répondu à la question en préambule. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Le blackout est un événement qui arrive à tout le monde. Aucun orateur ne peut dire qu'il n'a jamais eu de perte de mémoire. Personne ne peut le dire. La seule différence se situe au niveau de la gestion de cette situation. Et la gestion, comme je l'ai dit, il y a une stratégie assez simple. C'est de prendre la pause, chercher dans le passé une expérience qui correspond au contexte, puiser de cette expérience une histoire, un contenu, quelque chose qui peut être utile au contexte. Et ensuite, toujours rester zen et froid. Il faut toujours avoir la maîtrise de ses émotions. Comme je l'ai dit, le gros danger, c'est la peur. C'est la chose dont vous devez éliminer complètement. Vous devez complètement éradiquer de votre esprit la panique. C'est un combat. Vous devez combattre la panique. Et vous devez toujours vous maîtriser. Dites non, je maîtrise. Tout se passe bien. Fanuel est un orateur compétent. Kevin est un orateur qui a de l'expérience, il est intelligent, il est sage. Il va donc savoir comment gérer la situation. Vous le dites et ainsi donc, vous éteignez le feu qui veut naître. Donc, ainsi est ma réponse à la question. Alors, je vais lire d'autres commentaires encourageants de votre part. J'ai Varel qui écrit « Merci beaucoup Varel pour l'encouragement. J'ai également Vanik qui répond. Vanik, merci beaucoup à toi pour ta présence ici et pour le commentaire. Merci d'être là. J'ai également ici ce soir mon mentor, mon mentor Simplice, qui est toujours derrière moi. Merci à toi d'être présent, toujours derrière, toujours en train de me soutenir, toujours en train de m'encourager. Et en plus, j'allais omettre ce point. Il est très important d'avoir une figure inspirante. Dans mon cas particulier, j'ai eu une personne, d'ailleurs j'ai eu des personnes qui m'ont inspiré. Plusieurs orateurs, j'ai eu des orateurs africains, européens, occidentaux, on peut en citer. Mais une personne particulière que j'ai rencontrée, avec laquelle j'ai échangé, et qui m'a donc pas à pas accompagné dans ce trajet, c'est Simplice Dango, c'est lui justement qui vient de commenter. C'est mon mentor, c'est lui-là qui a fait créer cette inspiration qui est la mienne, et qui a fait naître confiance et cette énergie qui est la mienne, et qui m'a permis d'avoir davantage confiance dans ce que je fais et davantage adorer et aimer ce que je fais. Merci d'être là, Simplice. Merci pour les encouragements et pour toi. Alors, une question vient encore d'Abdel. Abdel demande « Que devrait faire une personne qui s'exprime et dit plus que ce qu'elle ne devrait dire ?» Question très pertinente. Que dire plus que ce qui ne devrait être dit ? Alors, je l'ai dit au départ aussi que l'oratoire, c'est l'habilité de dire ce qui est important et uniquement ce qui est important. Je le dis d'ailleurs, c'est une citation d'un orateur ou alors d'un philosophe qui disait « L'éloquence consiste à dire uniquement ce qu'il faut, ou alors de dire tout ce qu'il faut, mais uniquement ce qu'il faut. » Et donc, il faut avoir le sens de la pertinence. Il faut avoir le sens de la pertinence et le sens de la plus-value de ce que vous dites. Et pour le faire, il faut avoir une évaluation de vos pensées de façon introspective. Et je l'ai dit au préalable également, il faut avoir l'habilité de faire ce que j'appelle le brainstorming. Il faut aborder des gens qui vont vous donner des idées, qui vont donner feedback sur vos idées, qui vont commenter vos idées sur la base de leur pertinence. Il faut avoir l'habilité de tamiser, d'éliminer ce qui ne correspond pas à l'idéal. N'oublions pas, nous voulons féconder une idée. Nous voulons faire naître une idée. Et il faut du pouvoir. Et donc, si ce pouvoir n'est pas existant dans la pertinence, évidemment qu'elle meurt d'elle-même. Évidemment qu'elle meurt dans son sens. Et donc, il faut toujours avoir une priorité d'idée sur laquelle on se base pour transmettre son message. Donc, il y a ce premier point. Le deuxième point, lorsqu'il faut justement ne pas dire plus que ce qu'il faut, c'est ce que j'appelle le timing.
ce que j'ai dit en préalable, c'est le sens de la discipline. Il faut être capable de fixer un temps précis pendant lequel l'on compte tenir un discours. Une moyenne lucide pour avoir un discours poignant, percutant, impressionnant, c'est 15 minutes. Raison pour laquelle, pour des sujets comme les TED Talks, les Denken Talk en allemand, pour des présentations de fin de thèse à l'université, la moyenne des temps qu'on souhaite ou qu'on exige, c'est entre 15 et 20 minutes. Et donc, pendant ces 15 et 20 minutes, l'idée n'est pas que vous dites tout ce qui regorge de votre partage, mais surtout que vous tamisiez les plus importants, les plus pertinents, et que l'expression soit percutante sur la base de la pertinence. Alors, voilà donc tout qui est dit, et j'espère que je réponds ainsi à toutes vos questions de façon précise. Alors, je repose la question. Y a-t-il encore dans l'auditoire des personnes qui ont des interrogations, qui veulent savoir autre chose et qui veulent éventuellement augmenter leur habilité en art oratoire? Une autre question vient de la part de Kevin. Alors, Kevin dit, à quoi ressemble une préparation avant un événement, surtout si on ignore la tâche, la tranche d'âge? Alors, je crois avoir compris la question et je vais essayer de reformuler la question. Comment est-ce qu'on prépare un événement lorsque on ne maîtrise pas la tranche d'âge de son auditoire? J'espère que j'ai bien compris la question, Kevin. Tu me corriges si je me trompe. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre que le public, comme je l'ai dit, est aussi important que l'orateur. Ils ont une répartition de pourcentage à égalité. Donc, il est inconcevable d'ignorer le public lorsque vous voulez préparer un événement. Ce n'est pas du tout sérieux, ce n'est pas du tout professionnel. Donc, le public est très important. Il faut que vous compreniez avec qui vous avez affaire, éventuellement, comme tu le dis, la tranche d'âge, et éventuellement le cadre social, le cadre académique, le cadre intellectuel dans lequel vous vous trouvez, pour pouvoir définir le langage que vous devez tenir. Et donc, je ne pourrais pas dire clairement qu'il y a un moyen de préparer un événement si vous ne maîtrisez pas votre tranche d'âge ou votre public. Par contre, ayant maîtrisé le public, ayant pris connaissance de qui vous avez en face, une chose est certaine, c'est que les éléments dont j'ai énuméré, tous font partie de ce que vous préparez pour être performant. Il y a le fait d'être, comme je l'ai dit, incarné, ou alors il y a le fait d'être imprégné par l'idée que vous avez, il y a le fait de maîtriser les ponctuations, donc les pauses, la variation vocale, le fait de pouvoir toujours jouer avec les mots selon le public. Par exemple, si vous êtes dans un contexte camerounais ou camerounais-africain, il y a des pauses qui ne sont pas concevables. Il y a des pauses qui ne seront pas utiles. Il y a des pauses, par contre, qui seront très utiles. Les pauses qui permettront que vous rebondissez avec, par exemple, un cri fort. Ce que des pasteurs d'habitude font, ce que des hommes politiques d'habitude font, ce que des hommes de médias d'habitude font, c'est de revenir avec une pensée forte, avec une voix assez imposante, pour pouvoir faire ce qu'on appelle susciter de l'irritation, susciter une irritation à l'existence de soi. Et donc, généralement, dans le contexte camerounais-africain, on veut susciter de l'irritation ou susciter de l'espoir. Dans le contexte parfois occidental, on veut susciter plus ou moins de l'empathie. On veut faire croire à l'être humain qui est comme nous, que vous êtes également, vous voulez faire croire que vous êtes être humain, que vous avez une solution humaine à son problème humain. Vous créez de l'empathie à travers le fait que vous vous situez dans son existence. Et donc, c'est les pauses généralement appliquées dans le contexte occidental, c'est les pauses beaucoup plus empathiques qui font appel à la pitié, à la simplicité, à l'humilité. Et donc, le contexte humain entre également en jeu dans ce cas de figure. Donc, tout cela entre en jeu. Comme je l'ai dit, il y a la formulation, il y a évidemment le sens de la discipline et tout ce dont j'ai énuméré fait part de ce qu'il faut préparer lorsqu'on connaît le public qu'on a en face. Alors, nous avons actuellement une heure de discussion et j'ai eu un immense plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous avez eu une plus-value à tous par rapport à tout ce que j'ai dit. Mais avant de clôturer, je vois encore une question qui vient de la part de Dimitri qui a été posée au préalable. Je reviens sur la question, vu que je n'ai pas eu le temps de revenir là-dessus. Et Dimitri veut savoir, tu as fait comprendre que la lecture est l'une des clés. Qu'est-ce que tu conseilleras à une personne, à quelqu'un qui, comme moi, qui a vraiment du mal à lire?
Alors, j'ai dit dans un premier temps que la lecture permet d'ouvrir l'esprit face à l'éloquence. Elle vous permet de comprendre la théorie de l'éloquence. Par contre, l'exercice est le seul moyen par lequel vous améliorez votre oratoire. Le fait de courir le risque de vous exposer à une vulnérabilisation. Vous allez être vulnérabilisé, vous allez être ridiculisé. Et il faut être prêt à encaisser cela si vous voulez être un bon orateur. La lecture vous aide à deux choses. Ça ouvre l'esprit et comme je l'ai dit, ça peut vous aider à améliorer votre vocabulaire et votre intonation si vous ajoutez ces stratégies dont j'ai énumérées qui étaient les miennes. Donc, je ne conseillerais pas forcément que toute personne devrait lire malgré que la lecture aura une plus-value, mais je conseillerais à tout un chacun de toujours exercer le fait de parler. Prenez toutes les chances qui vous êtes occasionnées de parler en public, d'exercer votre parole en public. Toutes les possibilités qui sont les vôtres de parler devant des gens, devant, des amis, devant des camarades, d'exprimer une idée. Partagez-le. Exploitez ces moments. Car ces moments-là sont des moments inconnus, sont des moments qui ne sont pas vus par d'autres, qui sont pour vous des moments d'exercice qui vous serviront pour l'avenir en tant qu'orateur ou en tant que personne qui parle avec éloquence. Donc, voilà ce que j'ai dit et voilà donc en gros ce que je vous propose à vous autres qui m'écoutez, d'où que vous soyez et qui écoutent ce live. J'espère que j'ai pu répondre au maximum de questions possibles. J'espère que j'ai pu d'être une plus-value à votre, n'est-ce pas, compréhension de ce sujet, l'éloquence et l'oratoire. Et à présent, j'aimerais juste avoir un feedback de votre part, de ce que vous avez perçu. Est-ce que vous avez perçu une plus-value? Est-ce que vous avez été, n'est-ce pas, positivement impacté par ce live? Si oui, je serais ravi d'avoir vos feedbacks en commentaire. Si vous avez des critiques, évidemment, elles sont également les bienvenues. Des propositions, je les reçois de tout grand cœur. Et évidemment, si vous avez des commentaires juste d'ordre général à laisser, je serais heureux et ravi de les avoir ici à présent, n'est-ce pas, en lisant mon écran. Avant de lire vos commentaires, j'aimerais ajouter un dernier point indispensable. Il est important d'avoir un accompagnement précis si l'on veut améliorer sa compétence d'oratoire. Il faut avoir une personne qui vous encadre dans votre vocalisation, dans votre intonation, dans votre choix des mots, dans votre choix des formules. Et donc, pour cela, il vous faut une personne qui, plus ou moins, a cette expertise de vous accompagner, qui a l'expertise de comprendre votre contexte, mais qui a les solutions et les clés pour débloquer les portes qui sont les vôtres. Dans ce cas de figure, ma noble personne ou ma personne, que vous connaissez bien, Fanuel le speaker, en qualité d'orateur depuis plusieurs années, mais en qualité également de communicateur en tant que traducteur, en tant que modérateur de séminaires et impresario d'événements, j'offre des services en tant que coach et accompagnateur en art oratoire et en éloquence. Si jamais le besoin est le vôtre d'améliorer tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui et d'optimiser votre habilité de parler, que ce soit devant un public ou peut-être même dans votre entourage proche, je suis disponible pour toute collaboration. Vous avez la possibilité de me joindre sur ma page Facebook, de m'écrire directement ou alors de me contacter sur mes différentes pages YouTube, Instagram, TikTok pour avoir toutes les informations dont vous souhaitez avoir sur, n'est-ce pas, cette activité. Également, dorénavant, je partagerai du contenu beaucoup plus constamment sur mes pages officielles pour que, n'est-ce pas, ensemble, nous puissions apprendre davantage de l'art oratoire et ce que cela comprend. Je vous invite donc à vous abonner à toutes mes pages officielles, Facebook, Instagram, YouTube et même TikTok pour ne louper aucune de mes publications sur cet exercice. Et donc, vous êtes invité à me suivre si vous souhaitez également améliorer votre art oratoire. Autre chose, c'est de savoir que dorénavant, je serai également présent pour les lives que j'annoncerai au fil du temps. Je les annoncerai lorsque le moment viendra, vous aurez toutes les informations. Mais bien sûr, pour que vous ayez l'information, il faut que vous soyez abonné. Et donc, je lance encore l'appel à toute personne de vous abonner aux différentes pages pour, n'est-ce pas, ne louper aucune information. J'espère que vous avez passé un grand moment. J'ai été ravi de vous avoir tous et toutes.
Avant de sortir, je lis rapidement les commentaires qui sont les vôtres. Je vois Donatien qui demande si je fais du coaching. Évidemment que je fais du coaching. Contactez-moi à travers mon Facebook. Vous avez donc l'information dorénavant. J'offre des coachings dans ce domaine. Et il faut préciser que j'offrirai d'ici peu un masterclass qui durera 4 semaines pour toute personne qui souhaiterait booster son art oratoire. Je l'ai dit au départ, l'art oratoire ne se travaille pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un exercice qui consiste d'un claque de doigts. Mais c'est un travail acharné, c'est un travail dur. Mais il faut avoir les éléments, il faut avoir les outils pour pouvoir améliorer son habileté de parler en public. Et donc, pendant ces 4 semaines que je partagerai très bientôt, je vous donnerai tous les outils importants sur ce dont je vous ai partagé, bien sûr, aujourd'hui, mais encore beaucoup plus, de façon beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réelle, sur ce dont vous devez faire pour améliorer votre habileté de parler avec conviction, avec force et avec pertinence et éloquence. Vous aurez l'information très bientôt et restez juste connectés, restez juste branchés sur toutes mes chaînes et vous aurez l'information. Également, d'ici la semaine prochaine, notamment le 21, je ferai un live, cette fois-ci en anglais, pour tous ceux qui sont de langue anglaise, et je ferai le même live qu'aujourd'hui pour toute personne qui aimerait avoir ces informations en langue anglaise. So, just for the English speakers, I'll be having a live session as well next week on the same, at the same hour, 7:30 p.m. for all the English speakers, and I'll be treating the same subject as today, which is eloquence and public speaking. So therefore, if you want to make your English better, if somehow you want to get these tips in English as well, you are invited for the next session, which is going to be next week, Sunday at the same hour, 7:30. Alors, je vais lire rapidement vos commentaires qui viennent un peu de partout. Je vois Men Fett qui écrit, explique à la référence de la communication. Merci énormément, je suis touché par ces encouragements. Merci à toi. Je vois Laurent. Merci du fait que tu considères que ce live a été pertinent. Je suis ravi. Merci également à Danilo qui pour ta présence. Live très précis et clair. Merci pour ton partage. Merci à toi d'être présent. Merci d'avoir pris ton temps pour être là. Merci à Kevin également. Le masterclass sera bien sûr en ligne. Ça sera en ligne. Nous aurons l'habilité de travailler, n'est-ce pas, en ligne à travers des téléconférences sur les éléments. Et très bien sûr, dans l'avenir aussi, je compte avoir des séances pratiques live, mais cette fois-ci, ça sera organisé de façon ponctuelle. Donc, il y aura des journées que j'offrirai ou dont je rendrai public, où on fera l'exercice live dans un lieu où on se rencontrera physique pour exercer. Là, on attend de traiter l'aspect également corporel, tout ce que nous allons énumérer ici de façon superficielle. Donc, j'espère que je réponds à la question, Kevin. Alors, nous avons Larissa qui est également là. Merci Larissa d'être là. Merci pour les encouragements. Merci Valérie qui est là. Comment faire pour améliorer son anglais? L'anglais, on en parlera la semaine prochaine. Pas de souci. La semaine prochaine, on parlera anglais et on va voir ensemble comment améliorer ses compétences linguistiques. Je partagerai également des tips là-dessus et je vais également, bien sûr, offrir également des coachings pour améliorer son aptitude linguistique en langue anglaise. Par exemple, pour ceux qui ont du mal à apprendre l'anglais, cela sera bientôt une offre de ma part. Restez juste connectés, je vous invite vraiment à vous abonner à toutes mes chaînes, parce que dorénavant, je suis, comme on dit en anglais, all in. I am all in, I'm here for you guys. Et on fera de très grandes choses, et vous et moi deviendrons des meilleures personnes à travers nos aptitudes linguistiques et nos aptitudes d'éloquence. J'espère que vous serez bien sûr avec moi sur la langue. Alors, Donald qui dit un talent de la communication. Merci beaucoup, Donald. Je suis très ravi et très touché par ces paroles qui sont, n'est-ce pas, encourageantes. Donatien, c'était super. Merci, Donatien, d'être là. Merci, Sylvain. Merci, Vanick. Merci, Françoise. Merci à toi Teflon, et merci à vous tous et à vous toutes d'avoir répondu présent à ce live. Et comme on s'est dit, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui aimeront également écouter le live en anglais pour parler de ce sujet et pour parler également de l'aptitude linguistique. Sur ce, excellente soirée à tous et à toutes. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la pour que d'autres personnes puissent le revoir plus tard.
Si vous avez aimé la vidéo, commentez si vous voyez la vidéo en retard. Et ainsi donc, l'information pourra circuler et tout le monde pourra bénéficier de ces conseils qui ont été donnés. Merci à tous. Très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine à 19h30 pour le prochain live en anglais. Bonne soirée et bye bye.